years and years. Bah, si vous me le dites, vous me dites. Et après, on fait ce qu'on appelle le dégorgement. C'est une technique. Cette partie-là est trempée dans un liquide spécial, moins 30 degrés, dans du glycol à moins 30, quelques minutes seulement. Et après, ça fait un glaçon. Et ensuite, ça part sur une chaîne. La chaîne, tout d'abord, elle décapsule. Comme il y a beaucoup de pression, le glaçon, il sort tout seul. Il est expulsé, ça va très très vite. C'est pour le goût seulement. Donc si on fait un champagne brut, il y a un peu de sucre. Si c'est un champagne demi-sec, il y en a beaucoup, 4 fois plus. Et si on appelle le champagne brut nature, il n'y a pas de sucre, c'est sans sucre, que du vin. Retenez ça quand vous allez l'acheter. Et après, la machine, elle met le bouchon avec la capsule et là. Wala, lugi siya pag ako'y nasaraduhan dyan. Ah, parla ba? C'est quoi dedans? On va voir. Pour laver le linge. Ah! Parce que Marites. Tama. Je faisais le vin. Ah, c'est le vin, c'est pas de champagne. C'était pour là. Au 12e, voilà, parce que le champagne, oui, c'est seulement au 18e. Donc, en champagne, là où il y a du champagne, avant on faisait le vin. D'accord. Et donc ici, ils l'ont construit pour faire le vin. Donc, c'est un bâtiment avec une température bien construit, avec une température constante. Il fait frais l'été, il fait doux l'hiver. C'est fabuleux. C'est comme dans les hangars de ma maison. Il fait la même température, ouais. Constante aussi. Ah, parce que vous êtes semi-enterré, ouais, ou... semi-enterré. Oui, d'accord. Oui, bah là, ils ont fait une partie enterrée, ouais, semi-enterrée. Ça, ici aussi, hein. Voilà, bah, tout de suite, vous avez des bonnes températures. Et donc, nous, ici, on utilise le cellier pour mettre les bouteilles en vieillissement et pour faire le remuage à la main aussi. On fait tout ici. Parce qu'on est entre 8 degrés et 12 degrés, donc... Voilà. Ah, j'ai ça va, t'as mal au ventre? Ayun baka gusto niyong, bisitahin yung cross doon, yung malaking cross. Nagpunta kami doon na, yung cross na yun, double cross. Ayan ang bahay niya. Malapit lang. Le Croix là-bas, vous voulez aller là-bas, Le Croix, visiter Le Croix. Si vous voulez marcher, on marche. Si vous voulez prendre votre voiture, on marche. Oh, my car.